David a prêté 5000 shekels à Michael. Il lui dit, je te les rends dans 2 mois. Il dit, ok, pas de problème, ça, il faut un contrat et tout. 2 mois, ils arrivent. Et David va voir Michael, il dit, mon argent. Il dit, ouais, là, j'ai pas un truc, t'inquiète pas, je vais te rendre demain, après-demain, une semaine. Et à chaque fois, il repousse comme ça. Ouais, dans 2 semaines, non, dans 1 mois, dans un truc, ouais, après, je te donnerai, je te rendrai, je te ferai, je te donnerai, t'inquiète pas. Et il voit que le mec, il va au restaurant, il se paye une nouvelle paire de baskets, et il se paye des machins, tout ça et tout. Il dit, je comprends pas. Il me dit, il n'a pas d'argent et truc. Et après, il se rend compte, il filme sa petite enquête, il voit que Michael, il a roulé pas mal de gens comme ça. Ouais, je vais te payer, truc, il emprunte et il rembourse pas. Il y a écrit dans le Tehilim, et Michael, je te t'accache. Ouais, avec les gens qui sont têtus, soit têtus avec les gens qui sont un truc. Alors ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a dit, David, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me mettre un plâtre, je vais me mettre une béquille, je vais aller voir où il est, Michael, comme ça, et je vais faire le mesken, et peut-être que je vais lui faire de la peine, peut-être qu'il va un truc. Donc, il va tout d'un coup, il rentre, oh, qu'est-ce qui t'est passé, David? Il dit, non, j'ai fait un accident et tout, ça va pas, je suis pas bien et tout ça et tout, j'ai besoin d'oseille pour autre. Quoi, maintenant, tu crois, je vais pas te laisser comme ça, c'est toi qui m'as aidé et tout ça, je t'ai pas rendu ton argent. Il sort son portefeuille, ta 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 ta. Merci. Hop, l'autre, il a récupéré son argent, il est parti. David, quand il a fait ça, il a réfléchi, il a dit, mince, peut-être que j'aurais pas dû faire ça. C'est vrai que j'ai récupéré ce qu'on me doit, mais j'aurais peut-être pas dû faire ça. Il y a une Mishnah dans ma Maseret PA, Perekret Mishnah Tet, qui disent que quelqu'un qui fait quelque chose alors que c'est pas vrai, il sortira pas de ce monde tant qu'il aura pas ça. Quelqu'un qui fait le mendiant. Il fait le mendiant, j'ai pas d'oseille, aidez-moi s'il vous plaît. Et en vérité, tu vois, il sort, il a une voiture 2024, dernier modèle, où il a de l'argent. Les Chachamim disent, il sortira pas de ce monde tant qu'il sera pas pauvre comme il a fait exprès d'être pauvre. Quelqu'un qui fait semblant d'avoir le pied cassé. Ouais. Fait semblant pour toucher des trucs et tout ça. Un jour, il lui arrivera à Chazvei Shalom cette chose-là. Alors il dit, ouais, j'ai fait quelque chose, voilà, peut-être, j'ai dit que enfin, il a dit qu'il avait un accident, tout ça. Est-ce qu'il avait le droit de faire ça ou il n'avait pas le droit de faire ça? Tout ce qui est écrit dans la Mishnah là-bas, Perekret Tet, Perekret à la Mishnah Tet, c'est quand tu fais, il n'y a pas de raison. C'est-à-dire, tu fais exprès pour soutirer ou soudoyer quelque chose qui n'est pas, qui te revient pas en temps normal. Si tu étais parti demander à quelqu'un de l'argent et que tu n'avais pas besoin ou quoi. Par contre, si tu le fais justement parce que c'est un roublard le mec et c'est pour te retirer de l'argent, il y a certaines façons, oui, qui sont permises de faire pour pouvoir. Parce que cette personne-là, tu sais que c'est un trou sans fond. Que jamais il rendra, jamais il a rendu, il a fait. Si c'est quelqu'un vraiment, il y a au niveau de la halakha, il y a écrit comme ça, que quand on prend de l'argent à quelqu'un, c'est en général pour 30 jours. Après, toi, selon ce que tu as, tu peux le prêter pour 1 an, pour 6 mois. Et si tu sais que la personne n'a pas, Bémet, tu sais que le mec, il sort pas, il va pas au restaurant, il s'achète pas de nouvelles choses, ça, tu vois qu'il galère, alors tu peux, t'as pas le droit de lui demander, jusqu'à qu'il se refasse et qu'il est. Mais si tu sais que la personne y va, à l'hôtel, y va, machin, alors là, c'est pas que t'es pas obligé, t'es obligé de lui demander. Il doit, c'est normalement au niveau de la halakha, il doit à toi te payer avant de faire ses kiffs à lui. Ou les gens qui donnent de la tzedaka dans les synagogues, ouais, 1000 shekels pour ça. Attends, et le mec, il doit de l'argent à des gens. Mais non, t'as pas le droit. Cet argent-là, elle revient d'abord aux personnes à qui tu dois. Donc là, il avait le droit de le faire et sur lui, elle tombe pas la clala que la Mishnah a dit. Bah, Adonai, il est là, m'amène.